Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Pourquoi ? Parce que ça va faire déjà 20 ans. 20 ans qu'il y a eu les attentats du World Trade Center à Manhattan, New York, United States of America. Oh yeah, motherf***. Et comme c'est un pays que j'adore, je vous propose tout de suite qu'on leur fasse une musique d'hommage digne de ce nom pour les 20 ans. Mais tout de suite, intro. Première étape, on va poser de l'écor. Donc au niveau de l'ambiance, les mots-clés, ce serait du style souvenir, tristesse, que des mots malheureusement pas très joyeux. Mais quel est le meilleur instrument pour illustrer ça? Je vous le donne en 1000 ou en 400 si vous voulez, le piano. Pour continuer dans la tristesse et dans l'émotion, parce qu'on aime bien ça, donner des émotions en musique, j'ai pris un sample et je l'ai découpé. Et comme ça, je l'ai rajouté, ça fait... J'ai pas le mot, donc tu te débrouilles. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Surtout, on n'oublie pas de mettre beaucoup de reverb sur les deux pianos. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous donner de l'espace avec un côté triste et un côté doux à la fois. Au niveau de la rythmique maintenant, on va s'inspirer de la trap, on va prendre kick, cymbales et percussions. Au niveau des cymbales et percussions, on va mettre différents niveaux. On va pouvoir jouer sur le volume et la reverb pour augmenter l'immersion. Et tout ça, bah ça donne ça. Je voulais faire une petite parenthèse sur la partie effet et sound design. C'est une partie qui est trop souvent oubliée malheureusement et pourtant elle est très importante. C'est ce qui va permettre de donner de la vie, de l'immersion, de la dynamique, de même de séparer vos parties entre l'intro, le drop, le break. Et sans tout vous révéler, sinon on va gâcher un petit peu la surprise de la fin, je vous laisse deviner le style de sound design qu'on va mettre dans ce genre de musique. Oh, le melon du mec! Maintenant la partie vocale, donc nous on veut de la qualité, on veut le top niveau, donc on prend le meilleur, Google Trad. Allez, je suis gentil, c'est mon jour de bonté aujourd'hui, je vais vous montrer directement l'étape avec les paroles écrites. Je vais vous appeler cette partie où on recherche incroyablement. Pour ceux que ça intéresse, je vous l'explique rapidement. En gros, je suis allé sur Google Traduction, j'ai mis français, en face vous mettez la langue que vous souhaitez, pour le coup moi c'était anglais. Donc j'ai mis mes phrases, ça me les traduit instantanément. Après, il suffit de jouer un petit peu avec les mots pour essayer de trouver des rimes. Si jamais vous ne connaissez pas la langue en face, je vous conseille d'aller sur Google, vous tapez dictionnaire rime avec le nom de la langue, anglais, espagnol ou n'importe. À ce moment-là, vous pourrez trouver des rimes entre elles, ça pourra vous aider à jouer avec les mots et vous pourrez peut-être finir votre chanson plus facilement. Bon, entre nous, je me débrouille en anglais, mais pas au point de finir des paroles avec des rimes quand même. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé une chanteuse et je lui ai demandé gentiment si elle pouvait m'aider. Hello, this is Roman, can you help me please, baby? No, fuck you. Je crois qu'elle a dit ouais. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous rassure tout de suite, la musique elle est juste après, elle vous attend, elle sort du four, elle est toute chaude. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à faire cette musique hommage pour ce 11 septembre, justement pour les 20 ans. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, de lâcher votre plus beau pouce bleu et un joli commentaire, savoir si vous avez bien aimé la musique. Je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, c'était Roman pour vous servir, Pierce.